Oh bah ouais, je me suis dépêché parce qu'ils l'ont fumé. Hein, mais... Ouais, il y a les streamhackers, ils m'ont rejoint. Radley, ils sont tous là! Ils sont tous là! T'inquiète, et c'est quoi les petits ronds là autour? Allez! Ça dégage! Allez, yo les ultras, ça va ou quoi? C'est Didier. Moi quand j'étais petit, j'ai toujours voulu avoir un tank. Les gros obus et moi, c'est toute une histoire d'amour. En tout cas, avec World of Tanks, tu pourras réaliser ton rêve d'enfant, et rien de mieux que le lien en description pour commencer le jeu. Tu auras de nombreux avantages et de bonus en utilisant ce lien offert par Shaw. À toi le champ de bataille. Du coup, mes petits OP, les gars, de 2 heures sur World of Tanks. Mais vu que j'y connais que dalle, les gars, et pour vous faire un truc intéressant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le CM de World of Tanks qui va venir m'accompagner. Et on va faire l'OP ensemble, en fait. Il va m'expliquer tous les trucs à faire, les trucs cool et tout. Donc, ça va être découverte. Et salut. Et salut, mec. Comment tu vas? Eh ben, très très bien, et toi? Mec, alors, juste attends, je sens qu'on va passer un bon moment. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, je le sens bien. Ta voix, ton intonation, ton mood, je le sens, mec. Eh ben, tant mieux, c'est parfait. Alors, du coup, c'est bon. Me voilà connecté, gros. Eh ben, parfait. On combat. Donc, ouais, déjà, il y a plusieurs choses à savoir. C'est que t'as les chars qui sont classés du rang 1 au rang 10. D'accord. Les rangs 1, c'est vraiment les tout premiers concepts de chars. Et les rangs 10, on est post-seconde guerre mondiale, guerre froide, et, etc. Ah, ouais, c'est les tanks que je suis en train de voir là en bas où je peux scroller. Voilà, c'est ça. Donc là, tu vois que t'en as plein. Là, t'es que sur la branche allemande. En bas à gauche, t'as tes filtres là où tu as la petite icône de char à côté du x2. Ouais, ok. Tu ouvres le panel de filtres et c'est là que tu vois toutes les nationalités, les différents rangs. Et du coup, c'est là, on est dans le garage, il y a le magasin, le dépôt, la caserne. Il y a tellement de trucs. Hein. Ouais, il y a énormément de choses. Alors, tu peux faire le tour. Alors, si tu veux voir tous les véhicules, tu peux aller dans l'arbre technologique. Ouais, j'y suis justement. Ah, ok, parfait. Et là, t'as toutes les nations avec toutes les véhicules qui sont Débloquables. Excuse-moi, désolé, je te coupe, mais j'ai trop de questions. Est-ce que t'as un tank, genre, il est mieux que tous les autres, hein? Genre, the tank. Il y a des tanks qui sont très forts, mais ils ont tous leurs qualités et leurs défauts. Tu peux pas avoir quelque chose d'excessivement blindé, par exemple. Ok. Et ultra rapide, forcément, à cause du poids, des choses comme ça. D'accord, ok. Oh, mec, je vais prendre celui de la Russie. Attends, c'est le drapeau de la Russie, ça? C'est le drapeau soviétique, ouais. C'est bon, c'est impeccable. Tu m'accompagnes là-dessus? Ouais, allez, je t'accompagne. Allez, impeccable, ça marche. Il y a plusieurs types de munitions, je vois. Alors ouais, il y a plusieurs types de munitions. Pour le moment, le chargement que t'as est pas mal. Donc quand t'es prêt, tu peux, en haut de l'écran, tu peux cliquer sur prêt. Mec, I'm ready. Ouais, parfait. Et là, je vais lancer la bataille. Donc ouais, il y a plusieurs types de munitions. C'est la Chine? Mec, mais j'ai cru que c'était le drapeau soviétique, c'est la Chine. Ah oui, non, toi t'as pris le... Oui, t'as pris le drapeau chinois. Moi, j'ai pris le soviétique, du coup. C'est pas grave. Toi, tu m'as dit partir soviétique, moi j'ai lancé. J'ai pas fait gaffe à quel véhicule j'avais. Mec, je suis con comme un manche. Merde. Bon, ah, ça va, c'est rouge et jaune. Oh putain, j'ai chié dans la colle là. Et en gros, quand je descends mon viseur et que t'es verrouillé en vert, ça veut dire que je peux ouvrir le feu sur toi ou pas du tout? Oui, alors les team kills sont désactivés. mais techniquement, tu pourrais. Donc en fait, le gros cercle que tu as, c'est ton cercle de vise. C'est-à-dire que tes obus, ils vont partir là-dedans. Ok. Ok. Ok, et le point rouge, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est trop loin ou... Non. C'est le centre de ton viseur, le point rouge va changer de couleur en fonction du blindage. Et du coup, c'est-à-dire si je m'arrête et tout... Oh, me rentre pas dedans, toi! Comment tu fais pour tirer les différents types de munitions? Alors, tu fais 1, 2 et 3 sur tes touches pour pouvoir les changer. Pour le moment, tu peux rester trop bien. À 1, ça ouais. Alors, t'appuies sur Tab pour pouvoir viser en mode intérieur. Quoi? Quand j'appuie sur Tab, je vois la composition de l'équipe. Non, c'est mage, pardon. Ah, waouh! Comme okay. Ça, tu vois, en fait, comme... Oh, j'ai peur. Attends, il est en train de tirer sur quelqu'un, là. Waouh, mais ouais. Mec, il y a plein de monde! Donc là, tu peux te dépasser doucement, pas trop te montrer. Ouais, et tu peux enchaîner, que peut-être qu'il va prendre la position, ce sera mieux.
Non mec, attends, je suis... Ok. Et attends bien d'avoir resserré pour... Tu m'as dit c'était quoi déjà pour... Hop là. Ok. Tu peux le faire à la molette aussi si ça t'arrange. Ah ouais, de ouf. Attends, mais la molette c'est trop bien. On a vraiment le choix entre beaucoup d'angles de tir. Et lui, par contre, il est fou, hein. Il a pris trop la confiance. Hein. Vas-y, vas-y, on le calme. Vas-y, fais trop le malin. Go le baiser. GG. On l'a... Oh, on l'a défoncé. Où est-ce que je vois la vie de mon tank? Alors, en bas à gauche. Ah, mais j'en ai plein. Je suis à 80%, mais quelle naze. Alors, fais gaffe, ça peut partir très vite. Oh là, on est en plus. Ah, mais je viens de me prendre un petit 26 là. Oh là, il y en a un qui a pris la visu là-haut. Ouais. Hop là, moins 8. C'est quoi? Hop, je tente de traverser, je crosse la route, Allez, je t'accompagne. Cover, cover. Oh mec, je prends super cher. Oh, ça pue. On peut régénérer notre vie ou pas du tout? Non. Ok. Là, on va attendre que le terrain à côté de nous fasse le push pour qu'il prenne les dégâts. Et ok. On verra après. Vas-y. Oh merde, du coup, j'ai plus beaucoup de vie là. Arrête, Je vais le faire. Je vais le faire le push pour prendre les dégâts. Ouais, vas-y, regardez. Mec, t'es un putain de héros, ça, sérieux. Il a rien te défoncer, gros. C'est pas grave, tu peux l'avoir normalement. Il m'a défoncé aussi, frérot. Mais pourtant, j'ai tiré dessus, mec. Hein. J'ai tiré trois roues. Attends. Ah ouais, c'est parce qu'en fait, t'es passé à la HE, t'as changé d'obus et du coup, t'as fait moins de dégâts. Non. Sur ce type de bandage. Non. Je savais pas, gros. On s'est foutu en l'air. Le 6, du coup, T34-85M. Je l'ai. Alors, tu l'as, parfait. Alors, on va juste profiter. Apparence. Vu que tu peux équiper ton char. Et tu vois, à côté des munitions, t'as trois petits carrés. Ouais. Là, tu peux mettre des styles. Donc, si tu vas dans style prédéfini. Non, t'es sérieux, je peux mettre de la peinture. Ah ouais, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux mettre des pochoirs, c'est-à-dire des petites non, icônes. Non, mais gros, des smileys. Arrête! Du texte. Ouais. Arrête, mais c'est ouf! Attends. T'as les différents onglets sur pochoirs. Ouais, là, c'est ceux qui sont tout faits. Ouais. Tu peux juste les appliquer comme ça et sinon tu peux les faire toi-même. Non, je vais foutre du rose un peu partout. Je pense que c'est le nerf de la guerre. On va les user, les ennemis, comme ça. On va se dire putain, le mec il se balade en rose et tout. Il abuse. Parce qu'on les regarde. Ouais, ouais, c'est ça. Et on leur foutra des gros obus à travers le front. D'accord. Et pour des joueurs qui veulent débuter, tu vois, genre qui commencent sur le jeu et qui veulent pas du tout mettre de thunes dedans, tu recommandes quoi, toi, comme tank ou même pour avancer plus vite, on va dire, en termes d'XP? Alors, toutes les branches, on va dire, toutes les nations se valent à peu près. Nous, on peut aller... sûrement, on va aller par le milieu, là où je ping sur la carte. Vas-y, je suis chaud. Toutes les nations se valent pour les nouveaux joueurs. Après, il y en a qui sont plus techniques que d'autres. Je conseillerais la nation soviétique ou la nation américaine. La soviétique pour les chars lourds et moyens, parce qu'ils sont très polyvalents. D'accord. Et la nation américaine pour les chars... les chars moyens. Je t'ai perdu, t'es où? Je suis sur ta gauche. Mais si on se retrouve au milieu, ça va. Ah, je vois la minimap à droite. Ah ouais, c'est bon, je viens de comprendre. Donc la minimap, ça va être quasiment l'élément le plus important. Pour voir où sont positionnés les mecs, tout ça, voir un peu. Du coup, là, je suis sur le missile numéro 1. C'est celui avec lequel tu as tiré toi aussi? Ouais, c'est pour le moment, gardons ça par défaut. Si t'arrives pas à percer, tu peux passer à l'obus numéro 2. Le chien quoi? Il y a quoi? Gros, il m'a touché deux fois. Ouais. Il y a du boulet. À cette distance, il y a du bullet drop? Il y a pas trop de bullet drop, non, avec les obus, il y en a pas des masses. Mec, j'ai pris 2 hits. Il est trop chaud, ouais, le mec en face. Il te voyait, donc du coup, il t'a attendu. Alors, la petite ampoule que tu as. Non, mais c'est quand t'es détecté ou quand tu... C'est quand t'es détecté par les ennemis, donc c'est pas... potentiellement qui te vise. On en parle que dans les montées, c'est chaud quand même. Ouais. Donc là, on va temporiser un peu. Oh mais mec, mais je suis cuit là. Mec, j'ai du tir d'artillerie, faut qu'on temporise dans la pente. Frérot, je crois que je vais même pas tirer un missile sur quelqu'un, ils m'ont défoncé. Genre mon tank il avance plus là, il est... Toi, je sais pas comment tu fais pour aller vite comme ça, le mien il avance plus, frérot. Si t'es touché par de l'artillerie, t'as tes compétences de combat qui sont réduites. C'est toi qui as foncé à fond sur un mec là?
Moi je suis sur le... Non, je suis sur le... J'ai besoin d'un mécanicien, frérot. Pour le moment t'as ton... Ouais, parce que tu peux avoir des modules de ton tank qui sont détruits, comme les chenilles. Oh yes, j'ai buté un mec. Mais là t'es encore bien. Il y a un autre tank qui avance vers moi. Il est en mode sauce confiance. Pas parce que je suis low HP que je vais pas trop cher. Monsieur! On peut avoir des angles sur le côté là si tu veux, de là où je suis. Oh, il est cuit mon truc hein. Il y a des mecs, ils me shot gros à... Bah je suis mort. Merde! Ils sont bouillants les mecs! Je regardais un peu comment là, ils jouent. Là c'est en tier 6, il y a un peu plus de... Et toi par exemple, tu te mets en première personne pour tirer ou pas du tout? Ouais tout le temps. Sérieux? Ok, c'est, moi, j'ai pas ce réflexe là. Non mais c'est hallucinant. En gros les mecs, ils s'avancent avec un dénivelé et ils tirent une roquette, ils se barrent. Ouais, alors toujours se cacher, surtout que là j'avais été détecté. Et bon, et l'artillerie, comment ils font, mec? Ils sont placés à l'autre bout de la map et ils te bastonnent? Ouais, je te ferai tester ça aussi. Oh mec, j'ai trop envie de tester l'artillerie, ça a l'air d'être un truc. Bah juste après, ouais, si tu... Ah ouais, de ouf, je suis trop curieux. Et d'ailleurs, quand vous le téléchargez, 3/4 d'heure. Hésite pas à mettre ton lien si tu veux. Je crois qu'en plus, ils ont des bonus avec tout ça. Ouais, mais pour l'installation de tank, ils ont... Et normalement, c'est mon petit lien qui apparaît. Et... Ah, parfait, ouais. Comme ça, ouais, le... je crois que je sais plus ce que c'est, mais je crois que t'as un Excel sur des chars en plus. Le lien marche pas. Mais si, quand je clique dessus, ça marche nickel. Et ouais, quand alors on a un Excelsior américain, on a un Tiger des Allemands, un Browell des Anglais, et c'est soit le drapeau soviétique, soit chinois, un T-34-85M avec mon code. Enfin, ouais, donc c'est ça, c'est des chars en plus qui font gagner des crédits. Alors, l'artillerie, elle est représentée sur le jeu par les petits carrés dans type, dans tes filtres. Mais c'est la dernière, c'est la 105, l'EFH. Ah, 105, LEH. Hop, voilà. Ok, c'est bon, j'ai cliqué dessus, vous voulez. Pareil, on va l'équiper, comme tout à l'heure, avec... Équipement, comme tout à l'heure, un petit système d'aération. Alors, tu pourras pas mettre la ventilation puisqu'elle est déjà ouverte en fait, il n'y a pas de toit sur celle-là. Oh! Mais on va mettre. Non, mais gros, c'est super réfléchi le bordel là! T'as vu? Ok. Fouloir de canon. Alors, fouloir de canon, ça part, ok, appliqué. Le système de visée, et ensuite tu peux mettre le filet de camouflage. Alors, système de visée, tu l'as vu où? Je suis débile. C'est le deuxième. Première ligne de deuxième. Système de visée amélioré. C'est marrant, je pensais que c'était la clim celui-là. Quel idiot. Hop, ok. Et le troisième, filet de camouflage. Très important dans les films, on peut le remarquer, ce filet de camouflage. Mais surtout pour les véhicules statiques, comme ça va être le cas pour toi. Ça fait filet de camo pour le micro. Non, ouais, exactement. Alors déjà là, alors je trouve une bonne cachette. C'est le premier problème. Alors là, ouais, c'est là. Bah super simple, j'ai juste à me planquer dans un buisson. C'est ça, tu peux suivre si tu veux la EML et la M41 et les véhicules sur ta gauche qui sont les artilleries aussi, et te placer à côté d'elles. Et d'accord. Moi je vais aller t'éclairer. Ok frérot, et j'appuie sur MASH pour passer, pour pouvoir tirer et voir la vue du haut, c'est ça? C'est ça. Hop, et je me mets là-dedans. Ça c'est mon spot. Voilà, t'as pas besoin d'avoir une vue directe non plus, donc tu peux te cacher derrière une colline où tu vas tirer en cloche. C'est bon mec, c'est bon, je suis un joueur Fortnite. Je suis ready. Parfait. Donc là, tu te mets en vision aérienne. Ok, on dézoome avec la molette. Attends, comment je fais là après? Ah. Et ensuite. Ok, ok. Voilà. Ah, ok. Et tu vois le trait vert, ça veut dire que ton obus va jusque là. Donc, faut que le trait vert de ton obus soit jusqu'à la cible. Attends, et les cibles, tu les vois? Ah ouais, mec, c'est trop ouf. Là, c'est le spawn ennemi, j'imagine. Ouais, donc et toi de la mini-map pour pouvoir t'orienter. Ah ouais, ok, yes. Attends, mais il y a des gens ici du coup. Alors là, tu le vois, le STRV 74 en bas de ton écran. Alors, j'ai tiré. Comment on sait quand ça atterrit? Alors, il faut que ta ligne d'obus soit verte. Oh merde. Et merde. Merde. Ah merde. Oh le bâtard. Du coup, il joue avec le dénivelé, du coup, c'est pas vert. C'est ça, parce que sinon, ils vont essayer de se cacher dans les trous... Après, tu tires vraiment en cloche, donc tu peux vraiment en profiter. Je vais revenir vers toi un peu.
Et au final, je pense pas que j'ai trouvé une super bonne. Regarde. Oh. Ceux qui sont là-bas, tu devrais pouvoir les avoir. Gros, je le défonçais. Ouais, lui, tu peux, ouais. C'est en train d'arriver là. J'ai tiré, j'ai appuyé sur clic gauche. Je crois que ça t'éreint un peu. Alors, attends bien que ton réticule se réduise. Un maximum. Ok, là c'était moi ce truc là. Non, j'ai besoin qu'on me. Ok. Attends, je vais essayer de te le redétecter. Non, en fait, vraiment, c'est mon angle de tir n'est pas bon. Mais ouais, je suis une chèvre, gros. Je suis pas bien positionné. Je vais me positionner un peu mieux, un peu plus courageusement, on va dire. Regarde, je vais essayer de te les détecter ceux qui sont. Là, c'est mieux, frérot. Je ressens moins un zouave. Mais ils se déplacent à une vitesse, certains. C'est un truc de malade. Ouais, ça, c'est un véhicule à roue. C'est très, très rapide. Oh non. Ouais, là, c'est pas mal comme shot. Dommage. C'est pas tombé loin. Là, j'essaie de prévoir où est-ce qu'il passe. C'est surtout. Oh. Bah, si tu veux, vise vers les artilleries que je te montre là. Tu peux les avoir. Je vais pas les. Mec, c'est bon, je l'ai eu. Enfin, ça s'est arrêté. Enfin, je sais pas si c'est moi. Peut-être que je me suis enflammé, gros. Tiens, je t'ai spoté les trois artilleries là, t'es tranquille. C'est trois cibles de choix. Aïe. Où ça? En haut à droite. Ah ouais, tout en haut à droite, ouais, c'est bon, j'ai. Ouais. Ah ouais, mais eux, je peux les avoir direct. Ah bah eux, c'est. Aïe. C'est bon, ça arrive. Pof, allez. Du coup, ça se recharge. Premier missile, deuxième missile ou troisième, tu recommandes? Là, laisse le premier, c'est rare. Attends bien que t'es rechargé, tire un peu derrière. Ouais, là, tu vas la défoncer, non? Ah ouais. Oh mec, c'est côté. Tu peux continuer à tirer même si. Ah mais mec, je passe mon temps à fouder, même si je vois plus, je sais qu'ils sont dans le secteur. C'est ça. Voilà. Mec, là, il y a quelque chose qui a cassé. Là, j'ai cassé un truc. Et toi, t'es mort? C'est pour ça que. Ouais. Vas-y, j'arrête de les victimiser, gros. Alors là, peut-être que au niveau du pont. Oh! Ouais, sinon là, t'auras un petit visu. Alors si t'appuies sur ta touche V, t'as une vue de 3 quarts aussi. V? Ouais. Non, ça m'enlève juste le HUD. C'est quoi? X? Ah, t'inquiète. Et c'est quoi les petits ronds là autour? Allez! Ça dégage! Allez, les petits ronds, c'est ton cercle de visée en fait. Okay. L'obus va tomber à l'intérieur de ces petits ronds. Ok, ça marche. Ah, c'est la touche G, voilà. J'ai changé mes touches, moi. Mais si t'appuies sur ta touche G, t'as une vue de 3 quarts. Oh! Gros, j'ai foutu une petite pré-shot. Allez, il faut pas tant pré-shot que ça. Hein. Regarde, genre là, maintenant. Ah, c'était pas. C'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Ça passe pas loin. Ouais, non, c'est vraiment proche. Ah, c'est. Non, t'as l'idée, t'es vraiment pas loin. Après, ouais, t'as pas mal d'aléatoires sur cette classe de véhicule. Et après, c'est. Ah, bah lui, il est cuit, c'est fini pour lui. Oh là, moins 183, bah, bien sûr que c'est fini pour toi. Mais en fait, à partir du moment où on spot les véhicules, bah les mecs ils sont cuits quoi. Là, regarde là. C'est ça. Le chat de l'enfer, il est obligé de se cacher là-dedans. L4. Ça, c'est un char américain, mais tu pourras pas l'avoir là malheureusement. Il se cache derrière la montagne. Attends, mais. Lui, il est déjà mort. Il reste une artillerie, donc là où elles étaient tout à l'heure, tu devrais pouvoir les avoir. Attends. Ah, tu parles de. Bah, ils sont cuits, gros. Regarde, y'a plus rien. En A5, A6, commence à viser par là. Oh là là, ça me parle en coordonnées militaires. C'est bon, je suis sur A5. Tu veux que je mette une prune gratos sur A5? Ah, tu peux. À mon avis, elles sont par là, quelque part. Faut juste les. Il faut les trouver. C'est ça, c'est comme un pack. Ah, bah, c'est bon, mec, ils sont en train de foutre la pression. Ah, bah, c'est bon! Feu! Ah, bah. Ah mec, il s'est fait os. Ah, il s'est fait. Ah oui. Ah, il s'est fait. Oh là là, il s'est fait hausser le pauvre. La prune gratuite, c'était gratos ça les gars. Merci Adrien et Dudu pour les subs. Bienvenue les gars. C'était comme ça qu'on gagne une bataille, c'est ça? Ouais, là ça fait deux victoires sur deux. Qu'est-ce que tu veux tester comme véhicule? Tu veux peut-être tester les chars à roues. C'est assez rapide.
Charaou. Alors, c'est dur à contrôler par contre. Mais tu m'as dit que t'aimais bien rusher. Alors, je t'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à tirer à distance. Mais ouais, je veux bien rusher. Mais c'est possible que je sois nul à chier. Hein, parce que moi, j'aime beaucoup rusher, mais à l'extrême. Genre, je vais me frotter à eux. On va se rayer la peinture. Putain de bestiole. Oh. Mais c'est incroyable tout ce qu'il y a en customisation et tout. C'est encore Didier, si toi aussi tu veux tuner ton tank comme Xzibit, alors n'hésite pas à télécharger le jeu World of Tank. Le lien est en description. Ouais, c'est assez riche et on ajoute régulièrement pour chaque événement des choses comme ça. Camouflage, hey mec, je veux un camouflage. On va partir sur le camouflage vert comme ça. Ouais, vas-y, allez. Peinture, un petit coup de peinture. Parce qu'on aime bien le violet. On fout les roues en violet. Allez, c'est bon. Passez à l'achat. Mais par contre, on est d'accord que t'as une somme de savoir à apprendre pour le jeu. C'est dingue. Jamais j'aurais cru que c'était... Genre c'est très très complet quoi quand même. D'arriver du tier 1 au tier 10, ça prend pas mal de temps, ouais. Justement, parce que t'as plein de choses à apprendre. Mais c'est ça qui est super intéressant dans le jeu, c'est qu'après, t'as les zones de blindage de chars, de statistiques de chars à connaître. C'est trop bien. Le char qui met une longue à la Laguna. Non, mais tu vas voir, c'est impressionnant. Eh, tu sais pas, j'avais fait gagner une Laguna. Ah ouais, hein. X pour changer de mode de déplacement. T'avais fait carrément une Laguna sur ton... Ouais, j'avais une Laguna avant, et bien, la Laguna 3, Jean Talus, 130 chevaux, 100 000 bornes de la bagnole, tu vois, sympa. Oh gros, j'ai fait n'importe quoi. Ah, ça avait dit les boss. Je viens de le voir. Pêche, il doit y avoir des plans de bataille de ouf. Ah mais parfois c'est impressionnant à regarder le niveau compétitif. Et quand tu parles de niveau compétitif, tu parles de... Alors il y a des clan wars, c'est-à-dire par exemple, c'est sur des saisons, certaines saisons, mais tous les soirs tu auras des matchs avec les plus gros clans d'Europe et là il y a un sacré niveau et c'est quand même impressionnant comment ils s'organisent pour faire des tirs croisés. Des stratégies où ils rushent tous d'un côté. Là, c'est un truc de malade. Et du coup, il y a beaucoup de compétitions et tout, ou ça reste, on va dire, un truc de passionné pour ce qui est compétitif. Ça dépend ce que tu regardes. C'est quand même comparé à si tu vois l'e-sport comme League of Legends ou Counter-Strike, non, il y en a beaucoup moins. D'accord. Si tu vois ça comme un petit truc compétitif sympa à faire entre potes, il y en a quand même beaucoup parce qu'il y a des tournois quasiment journaliers que tu peux faire où tu peux gagner des chars premium, des choses comme ça. D'accord. Et ensuite, tu as tout ce qui est clan de map, enfin la map avec sur les serveurs européens, avec les différentes équipes. Et ça par contre, c'est beaucoup plus régulier. Gros, si t'es un très gros joueur, tu t'ennuies pas. Merde. J'ai tapé un coup de frein à main, frérot, je voulais juste t'en parler. J'en suis très... On peut se cacher dans une maison? Tu peux tenter. J'ai tout cassé, gros. J'ai tout cassé. Je suis désolé s'il y a certains ultras qui prennent des balles dans le dos de coéquipiers. Bon, c'est pas quelque chose que je tolère, hein. Le petit bâtard, tu sais, qui passe à fond, il passe à 90, il tire dessus une grosse roquette. Ça va, pas de problème de cheater du coup sur le jeu? On a alors dire que ça n'existe pas, ça serait faux, mais il y en a très très peu parce qu'il y a des vagues de ban régulièrement après notamment chaque événement principal. Vous avez un anti-cheat? Pas directement dans le jeu, mais. Ouais, mais il y a des vagues de ban. Bon, en tous les cas, voilà. Vous êtes plus efficace que Call of Duty, quoi, déjà. Non, je déconne, mais c'était moi qui vous donnais un tacle gratuit pour Call of. Je suis notre carte Joker. Joker. Non, t'inquiète. Mais ouais, nous on a des packs de ban régulièrement. Il est en train de me viser, tu crois, ou il est... Non, mais je pense que... Tu peux lui tourner autour, tenter en tout cas.
J'ai enlevé le FOV, j'ai paniqué. C'est X si tu veux le remettre. Ou V, je sais plus en fonction de tes touches. Qu'est-ce que je peux faire pour l'atomiser? On dirait qu'il a FK, c'est mon moment. Charge l'obus 3 et tire vraiment derrière la tourelle, derrière la tête ou derrière la caisse. Ah oh bah ouais, je me suis dépêché parce qu'ils l'ont fumé. Hein, mais... Ouais, il y a les stream hackers, ils m'ont rejoint. Radley, ils sont tous là! Ils sont tous là! Tu peux, il y a tes. Mais non, mec, je te prends! Je me suis fait TK! Ils ont profité! Ils ont eu mon TK! C'est un TK que je viens de prendre là! Oui. Oh Mordicus! Oh les modérateurs! Bannez-moi ça! T'as encore envie, poulet? Non, moi je suis mort. Ah, mais il y a encore le joli tank. Ah, le killing, tu l'as. Ah, mec, attends, putain, on va rewin la game, mec, c'est pas beau ça. Chat, si vous aussi vous aimez TK vos coéquipiers, bah, ça en tank. Parce que je le vaux bien. Tiens, Mordicus, t'es mort aussi, sale chien. Bordel, mec. Mais non! Il était dans le chat du coup, Mordicus! Mais si c'est à lui! Quel crack, putain! Mais c'était une blague, Billy! C'était une blague! C'était juste une blague! Il y a le modérateur, il l'a banni! Ah, il s'est vraiment fait bannir, le pauvre! Le second degré, Billy! Tu t'es brûlé avec, encore une fois! F pour Mordicus! F pour respect, man! Mec, c'était trop cool comme petite session. Bah, merci à toi, je me suis bien éclaté aussi. J'espère que le jeu t'a bien plu. Mais les ultras, est-ce que ça vous a plu de, tu vois là, de découvrir un jeu directement avec le CM qui explique bien, qui est là, qui répond à vos questions. Moi, perso, j'étais pas perdu. On n'a pas perdu de temps. On a réussi à faire plein de modes de jeu. Vous avez vu plein de choses du jeu. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus opti, clairement, non? On est d'accord là-dessus. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour et tout. Non, je sais pas, c'était vraiment cool. Mec, partagé. Hein. Vraiment, j'ai passé un super moment avec Tivit. Eh ben, merci à toi. Vraiment, ça a été un plaisir. Tac. Donc, je vais te laisser là pour que tu je vais débriefer un peu tout ça. Aller manger. Important aussi. Mais vraiment, j'ai une dernière question. Vas-y, Faucon Ardent, le gros. Hein. Donc, c'est une question, attention, d'un... C'est au niveau du compte premium. Les devs pourraient-ils augmenter le nombre de retirés? Attends. Pourraient-ils augmenter le nombre de retirés? Ok, si t'as compris, c'est parfait. En gros, quand tu as un compte premium, tu peux blacklister une map. Une carte, tu peux l'enlever du pool si tu veux pas, si tu l'aimes vraiment pas. Ok. Et en gros, ils voudraient que ça passe de. Donc t'en as une quand t'es pas premium, t'en as deux quand t'es premium et ils voudraient que ça passe à 3. Mais non, c'est pas prévu pour le moment, mais je note, Faucon Ardent. Et merci pour ta participation et ta question. Ben en tout cas, les gars, comme il a dit, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus participer, faire les cons. Celui qui m'a TK, je te retrouverai, gros, sur Warzone. Et merci à ceux qui ont téléchargé le jeu, etc. Mais bon, on va débriefer tranquille. On va laisser notre ami Actinide partir. Actinide, si tu veux leur dire un petit au revoir ou quoi, je t'en prie. Ouais, merci à tout le chat, c'était vraiment top. Amusez-vous bien si vous téléchargez, utilisez le code le lien qui est dans le chat. Ouais, parce que j'ai pas de code du coup. Voilà, c'est pour ça, le lien qui est dans le chat. Toi, tu es déjà parti dans une sauce là d'un coup, tu sais.